Bonjour à tous, bonjour les camarades. Vous parlez aujourd'hui des parallèles, des convergences qui existent aujourd'hui entre le transport aérien et le transport ferré. Lorsque pour démanteler une entreprise, on organise la filialisation, par exemple lorsqu'on prend Hop ou lorsqu'on prend Ouigo, c'est la même organisation, la même désorganisation de nos entreprises qui est à l'œuvre. Lorsque l'on externalise, tout à l'heure on parlait là de la sécurité, lorsque chez nous aussi dans les trains on externalise la sécurité ferroviaire, c'est la même méthode, la même désorganisation de nos entreprises publiques. Et donc, eux, ils convergent sur leur manière de détruire nos entreprises. Nous, nous devons converger sur la manière de lutter. Aujourd'hui, lorsque, après Covid, des millions, des centaines de millions ont été déversés pour le transport aérien, des centaines de millions ont été déversés pour le transport ferré, qu'est-ce que font les directions avec cet argent-là? Elles continuent de détruire l'emploi, de supprimer des postes, alors qu'elles touchent chaque jour des millions d'argent public, et cela encore après le CICE qui avait déjà donné des millions. Donc on voit bien aujourd'hui que l'argent public est utilisé pour détruire nos entreprises publiques. On ne peut pas laisser faire. Rendons-nous compte, le projet Hercule pour dans l'énergie a échoué, il n'est pas allé au bout. La vente, privatisation de l'aéroport de Paris a échoué, elle n'est pas allée au bout. Qu'on le veuille ou non, la réforme des retraites a échoué, elle n'est pas allée au bout. Comprenons donc que de leur côté, ils n'avancent pas aussi vite qu'ils veulent. Et de notre côté, chaque jour dans les entreprises, les luttes s'organisent et les revendications montent. Chez les cheminots, nous étions en grève le 5 octobre, nous étions en grève le 14 octobre et en rassemblement le 29 octobre. Yann a donné tout à l'heure des perspectives, nous serons en grève aussi le 17 novembre et nous continuerons. Comme je l'ai dit, les forces existent et nous pouvons les stopper. Allons-y.